Rouler sur la glace, peut-être en avez-vous déjà rêvé. Chaque soir à Monaco, la patinoire à ciel ouvert du port Hercule se métamorphose en piste de kart électrique sur glace. 1000 mètres carrés pour profiter des sensations du karting, avec un petit bonus, les glissades. Un loisir qui n'attire pas seulement les monégasques. C'était super. Excitant. Tu vas très vite et tu dois faire attention parce que sinon tu tapes le côté si tu ne contrôles pas ton virage. C'est amusant. La sortie n'est pas bon marché. Comptez 10 euros minimum pour 6 minutes de kart. Mais rien n'arrête les casse-cou. Après une course entre amis ou en famille, rares sont les déçus des performances de ces pneus cloutés. C'est plutôt glissant. J'ai vraiment senti que je faisais une vraie course, comme si j'étais dans une Formule 1. C'était super. J'avais le cœur qui battait très vite. On veut en refaire. Jusqu'à minuit, deux employés mènent la danse. Salariés de l'organisation Team Monaco, spécialisée dans le kart, ils assurent la maintenance des véhicules et le respect des mesures de sécurité. Le port de la Minerve, c'est obligatoire en cas de coup du lapin. Après, bon... Le port du casque. Ouais, le port du casque, hein, ce qui n'est pas logique. On leur donne des règles élémentaires, comme ne pas sortir du kart parce qu'il y a d'autres kartes qui sont en route. Et voilà, après tout se passe bien, on leur dit de ne pas faire de contact aussi avec les kartes, parce que malgré qu'ils aient des protections, comme vous pouvez le voir, ça reste comme fragile. Jusqu'au 8 mars, Bruno et Sébastien vous attendent, les batteries chargées à bloc.